sur les peintures. Hein. Alors écoutez, je vais me permettre de dire quelques mots. Simplement pour vous dire que ça fait quasiment aujourd'hui, jour pour jour, 2 ans que Kenza nous a quittés. Tout le monde se rappelle de... Je crois que tout le monde se rappelle de ce qu'il faisait ce 21 août 2017. Lorsque, malheureusement, un fou, inspiré du terrorisme, de ce qu'il avait vu à la télé, l'a fauché et lui a ôté la vie. Je crois que notre présence en nombre encore aujourd'hui, elle démontre combien Kenza était, je crois, un être de lumière, un être rayonnant, une maman, une fille, une sœur. 42 ans, c'est vraiment jeune. Et je crois que 2 ans après, on est tous là pour témoigner de notre affection, de notre tristesse, mais aussi, je pense, pour la famille Tal, pour ses enfants, ses 2 enfants, pour son frère, pour les cousins, un message d'espoir. Un message d'espoir, c'est-à-dire que la vie doit continuer. Elle est avec nous dans nos cœurs. Elle ne doit pas vous quitter. Il faut penser chaque jour à elle. Et il faut que chacun fasse sa vie d'homme, sa vie de femme, en continuant malgré tout, et en n'oubliant jamais, et surtout en espérant que plus jamais ne se reproduise un tel drame, parce que c'est juste inacceptable. Voilà ce que je voulais juste vous dire moi aujourd'hui, en vous disant combien on est attaché à la mairie des 11-12, et je pense avec tous les élus ici présents aussi des autres mairies de secteur, on sera attaché à commémorer devant cette plaque qu'on a réussi à mettre, à commémorer chaque année le départ beaucoup trop tardif de Kenza, et de soutenir pour toujours la famille et les enfants auxquels je pense tout particulièrement aujourd'hui. Voilà, merci à tous d'être présents, et bien entendu, tout le monde peut s'exprimer, je crois, aujourd'hui. Je me suis permis de le faire parce que je sais que c'est un moment avec beaucoup d'émotion pour la famille, pour les amis, pour vous tous. Et c'est vrai qu'en tant que maire du secteur, bah, c'est peut-être plus facile pour moi de prendre la parole en public sur un événement qui nous a tous marqués. Et puis... Gardons vraiment Kenza dans nos cœurs. Merci. Merci. C'est bon. Quelques mots. C'est bon, merci. Monsieur Tal, à Monsieur Tal, à sa famille. Nous sommes ici présents, entourés de tous les élus, de tous les amis, des enfants de Kenza, frères et sœurs de Kenza, pour commémorer sa disparition. Kenza était une mère de famille. Ses enfants avaient besoin d'elle. Comme on dit, le destin l'a frappée durant des circonstances atroces. Continuons à prier pour le repos de son âme et soyons vigilants pour les enfants, pour tout citoyen, de sorte que ce genre de folie ne se reproduise pas. C'est très dur et la personne ne se rendra jamais compte de la douleur, profonde douleur qu'elle a infligée à une famille à vie. Kenza est aujourd'hui auprès de sa maman, qu'elle repose en paix, toutes les deux, et vraiment continue à prier pour le repos de son âme éternelle. Monsieur Tal, nous savons que vous êtes meurtri à jamais, mais gardez le cap. Vous êtes un croyant, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Nous, vraiment, nous ne pouvons que accepter ce terrible destin. Et prions encore pour le repos de son âme.
Bon courage, M. Tall.